Incroyable mais vrai, nous sommes au quartier Binza Pigeon dans la commune d'Engalima, précisément sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. Ici, l'ex-ministre de la Santé, Eteni Longondo, a décidé de s'emparer d'une avenue qui désormais devient sa propriété privée. Avec l'aide de la police du parquet de la Gombe, ce haut cadre de l'IDPS vient de clôturer cette rue qui dorénavant fera partie intégrante de la parcelle dont il est le propriétaire. Les portails des parcelles situées dans cette avenue ont été tous barrés par des murs en briques ici en pleine construction, comme l'attestent les images. Mais c'était un porte un mur. Tout le monde a ajusté un maçon, un brique, un soldat. Les voisins de Messier et Teni Longondo qui alertent l'opinion sur cette mesure arbitraire sont donc obligés d'escalader des murs afin d'évacuer à leurs occupations une tâche très pénible pour les enfants à bas âge et surtout des mères de famille. Ces derniers implorent les autorités politiques et judiciaires du pays de les délivrer de leurs tout puissants voisins. Messier Teni a tindi la police et a ko kangela biso entrer tobimate parce que soi-disant o ezalo pa onaye. C'est plus de 20 ans. Na sombaka parcelle oyo na 1999 j'ai vendu au docteur Eteni Longondo les bâtiments de mon appartement. Appartement n'est pas synonyme à parcelle. J'ai construit un chemin public, une servitude qui va de la grande route à la résidence de monsieur Antoine Katoto. Le docteur Eteni se permettra de forcer et de rallonger les bâtiments. On moni ndambo to lubaka totika. Ndambo oyo ayaka kubakisa qui n'était pas na plan Oyo, bateke la kaye, ça n'existait pas avant. Rallonger les bâtiments en prenant une partie de la servitude d'abord, puis en supprimant totalement la servitude. Les dirigeants du pays et surtout ceux du parti présidentiel sont ici interpellés enfin de recadrer leurs camarades et Teni Longondo qui usent des pratiques rétrogrades d'une autre époque en même de salir l'image de marque du président de la République et celle de l'UDPS. En tout cas, tu as un regret, ma casse. Tu as dit que tu as voté IDPS, mais tu as dit que changé. Mais tu as dit que tu as dit changé, au contraire. Tu as renforcé la méthode de Kabila, de Yamabe, 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 de